Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un endoscope vraiment pas mal, surtout que je l'ai acheté dans les 25 euros chez Banggood. Maintenant il est un peu plus cher, mais bon, vous pouvez espérer retomber sur la même promo que moi. Il est équipé d'un super écran LCD de 4,5 pouces qui fait à peu près 12 cm de diagonale. Une caméra qui est censée filmer en Full HD 1980. Ça, déjà, si elle fait 1 ou 2 mégapixels, on sera content. Le câble fait 2 mètres. Il est rigide pour aller dans les canalisations sans trop s'embêter. Il est équipé de lampes qui sont modulables à partir du boîtier. On stocke sur carte mémoire, que ce soit des photos avec un appui court ici ou des vidéos avec un appui long ici. Le menu peut se mettre en français. Ici, c'est pour revoir justement les photos et les vidéos. C'est plutôt bien fait. Un seul truc, le bouton OK n'a pas l'air de fonctionner. Pour valider, c'est le bouton retour. Et pour sortir, c'est le bouton menu. Ça, c'est pas super bien expliqué dans la notice, mais bon, s'il y avait que ça irait. Donc le boîtier est franchement léger, il fait costaud. Et c'est fourni aussi avec une boîte pour le ranger. Une notice qui vous servira pas à grand-chose, à vrai dire. Un cordon de recharge micro USB et des petits accessoires qui vont se mettre au niveau de la gorge ici. Le petit accessoire crochet. Voilà. Une fois que c'est clipsé, ça ne peut vraiment pas s'en aller. Et on voit bien le crochet au milieu, c'est parfait. On a un accessoire aimant. Et on a un accessoire miroir à 45 degrés qui va servir de regarder dans les coins. Bon, après, il faut un certain coup. Et puis, on a des bague en plastique de remplacement pour les accessoires que je viens de vous présenter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, il y a un autre truc qui est assez sympa, c'est qu'on peut, si on peut pas retourner la caméra, par exemple, je suis dans une canalisation et je vois que c'est écrit à l'envers, et ben, il est possible directement de faire avec les boutons gauche-droite des rotations de l'image et même effet miroir. Donc ça peut être très utile. Et un autre truc trop génial, je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être une caméra USB ça? Et du coup, j'ai démonté l'intérieur, voilà. J'y ai branché à la place de la caméra une prise USB pour faire les essais et je me suis aperçu que je pouvais piloter d'autres caméras. Donc du coup, j'ai acheté ces prises-là. On les trouve à 2,50 € la paire. C'est des prises 5 ports. Je les ai rajoutées sur le câble. Du coup, ça marque nos signaux. Un petit cordon magique avec une prise USB femelle, la même prise. Et maintenant, je vais pouvoir y brancher toutes sortes d'accessoires. Enfin, pas tous, mais
Par exemple, un microscope USB. Je peux y brancher un endoscope USB bien plus long, et celui-là est en plus bien plus fin, mais une résolution pas ouf. Je peux toujours faire une capture d'écran. Franchement, c'est très balèze ce truc-là. Puisque il accepte à peu près n'importe quel appareil. À tester avec une vieille webcam. Voilà, une vieille webcam fonctionne également. Donc voilà, je suis franchement ravi de mon achat qui permet de emmener partout cet appareil qui permet de filmer, de s'en servir comme microscope. Et c'est beaucoup plus pratique que de trimballer un PC portable avec soi, avec une application qu'il faut lancer. Franchement, je vous le conseille. Allez, ciao!